Bonjour à tous, aujourd'hui on fait une petite vidéo pour montrer comment fonctionne le partage de connexion entre l'iPhone 4 et l'iPad ou un autre ordinateur, puisqu'il y a encore des sites qui disent qu'il faut jailbreaker l'iPhone, ce n'est pas le cas. Il suffit d'aller dans les réglages de votre iPhone. Ensuite, vous avez partage de connexion, ici même. Vous donnez un nom à votre iPhone, qui sera retrouvé pour le nom Wi-Fi, et un mot de passe. Donc ici, j'ai marqué Carbo Capoeira, OK. Et là, j'active. Il me propose d'activer soit en Wi-Fi et Bluetooth, ou soit en USB. Donc là, je vais le faire en mode Wi-Fi. Je vais avoir un petit écran qui va s'afficher un peu plus tard sur mon iPhone. Ensuite, sur mon iPad ou sur mon ordinateur, je vais aller rechercher une box Wi-Fi, tout simplement. Et là, j'ai Alegria, qui est mon iPhone. Donc, je le prends là. Et en haut de l'iPhone, vous pouvez voir que le partage de connexion est activé. Cette petite barre bleue. Mon iPad est connecté sur mon iPhone. Et je vais pouvoir profiter de ma connexion 3G sur mon iPad, tout simplement. Voilà. C'est même assez rapide.